Hop, bim, je lance comme ça. Salut la VOD, bordel. Eh, vous pouvez dire bonjour à la VOD si vous voulez. Sinon, vous pouvez leur dire d'aller. Niquez-vous, vous pouvez dire aussi, parce que on s'en fout à cette heure-là. C'est un peu un live de rebelles. On fait juste des fuck. Salut la VOD, on est dans ma base et on va partir en exploration. Et j'ai, voilà, j'ai fait des trucs, alors c'est toujours très beau. Franchement, j'aime trop l'endroit où j'ai choisi de faire ma base. Ça, voilà, je l'ai dit. Je sais plus si je l'avais fait la dernière fois où j'ai lancé la VOD, mais en tout cas, j'ai ça. J'ai l'endroit où on peut stocker... Comment il s'appelle? Le Sea Truck. Ouais, c'est ça. Et j'ai un prone. Et tout totalement amélioré. Enfin, un peu amélioré, en tout cas. Hop là. Prône des gènes, voilà, histoire qu'il ait aucun sens. Et je vais juste lui donner un peu des couleurs. Oh, rouge, je le verrai de loin. On va faire des couleurs sobres parce que moi, j'aime pas trop quand... quand les couleurs jurent entre elles. C'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, beaucoup. Voilà. Là, c'est nickel. Là, c'est super. Maillot de foot tir. Bah, idéal. Idéal. J'ai chaud la VOD, mais oui, bon courage, bon courage, je sais, vous avez chaud. Mais justement, on se rafraîchit. Ma phrase nulle. Mais vous rafraîchir sous Omnotica. Oh, gênante, la meuf, gênante. Alors, je crois que je peux mettre mon brown dedans. Mais est-ce que j'irai pas directos à pied? Où je dois aller? Et ce qu'on va faire... Ah, voilà, si, voilà ma base de l'extérieur, pour ceux qui l'ont pas vu. Elle est fonctionnelle. J'ai fait aussi un centre de contrôle. Je pensais que ça pouvait me permettre d'avoir des lumières différentes à l'intérieur de ma base. Mais je peux éteindre le courant mais pas changer les lumières. Je suis un petit peu triste. T'es meilleur, t'es des notes. Ça, c'est vrai, cocotte. Il me faut le module de transport pour le prone. Eh ben, let's go. Bah, tu sais ce qui va se passer. Je vais juste dans le prone et puis bam. Tu vas faire quoi, Kato? Hein? N'en déplaise. Orageux. Ce qu'on va faire, on a vu Marguerite la dernière fois, qui est un peu la méchante, mais pas vraiment méchante, de ce Subnautica, qui nous a donné un truc, parce qu'en fait elle est plutôt sympa, en disant il faut que je mette ça quelque part. Mais j'ai un peu oublié. Alors je vais... Alors je vais voir. Par contre je vois rien du tout. C'est la station Delta, c'est là qu'il faut que j'aille. Il est où le quai de la station Delta? Et du coup j'ai mon exosquelette et il va me permettre de pas avoir trop froid. Oh il est là-bas, je suis pas très loin, j'y vais. Est-ce que je pourrais y aller Hein, moi je m'en fous, mais je sais qu'à... Je pourrais y aller à pied dans la station Delta, mais comme ça, ça va me permettre de pas avoir froid. Donc bon, je me dis que c'est toujours ça de prix. Par contre, ça va niquer un peu les yeux, je pense, de se foutre à la surface. Ah ! Oh, j'ai raté. Mais j'ai mon grappin, après je peux faire ça, genre. Ça marche sur la terre ferme. Ah ouais, cool. Oh, mais avec le prone, je pourrais aller aussi dans des endroits inaccessibles. Je fais n'importe quoi. Non, ça se passe très bien. Ok. Alors c'est là que je dois aller, je crois. Mais je suis plus sûre. J'y vais vite fait et au pire on a plein d'endroits à explorer sinon. Maintenant que je ne crains plus le froid. Oh mais faudrait que je me crafte le truc de transport. Parce que le problème c'est que le prone c'est très lent. C'est assez chiant. Donc j'aimerais bien avoir un truc qui me permette de le déplacer vite quand je suis sous l'eau. À savoir mon sous-marin dans lequel je stocke le prone. Autre souci, il faut que je fabrique des trucs pour faire ça et chiant. Par contre, ça va, il est un peu rapide quand même, par rapport à moi quand je marche. Je sais plus comment aller là-haut. Comme ça, on va tourner autour pendant 6-7 minutes jusqu'à ce que je me rappelle. M'en fous, moi. Faut que ça foute, moi. Non, c'est pas par là, c'est pas possible.
plein d'enfants à explorer. Hein? Eh non. Mais t'es fou. Des bisous, Sandrine. The fuck. Oh, j'ai dû dire le mot info, parce que j'ai plein d'infos à trouver. Mais non, hein. What the fuck. Faut mettre le son plus fort ou faut le couper, je sais pas. À ce niveau-là, c'est un peu inquiétant. Mais je peux pas monter sur ce putain de caillou, vraiment? Et d'ici. Oh, c'est bien! Désolé, hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est bizarre. Bon, bah, c'est pas par là. Je vais trouver. Oh, ici. Et après. Mais non, mais je sais plus. Oh, ça me rend ouf. Je sais pas le chemin. Les viewers qui nous ressemblent. Ouh, non, mais faut pas déconner là par contre. On peut pas dire ça à chaque fois qu'une personne sort une dinguerie sur un chat. Une personne. C'est quand on parle d'une commu, ça. Parce que je vous garantis que à ces heures-là. Ah, je vois plein de dingueries, hein. Je vais vers la base et je prends l'allée qui va à l'antenne. Bah oui, c'est ce que je cherche, mais je vois pas d'allée qui va à l'antenne. Mais je vais trouver. Salut, Connoqueur. Je vais trouver et je crois que je vais sortir du prône parce que je pense que ça me... Je me rappelle plus. Et que je vais trop lentement. Mais ouais, ouais, j'essaye. Attends. Mais c'est que le problème, c'est que j'ai l'impression que la grotte vers laquelle je vais... Voilà, c'est ça, vers l'antenne. Et après, c'est ça. Je crois que j'arrive de l'autre côté et que du coup ça me fout le bordel et à chaque fois je suis obligée de redescendre. Après je vais ici, on est d'accord? Ouh! Après ici. Hop. Après c'est plus bon. J'en peux plus. Cette antenne, parce qu'elle a l'air toujours. Qu'est-ce qui. S'il va pas dans mon cerveau bizarre. Je vais mettre 15 repères, je crois, sur la route. Ici, peut-être. Ah. Voilà, merci. J'aime pas cet endroit. Non, moi non plus. Bah, déjà, en plus, c'est sous la glace et tout. C'est pas. C'est pas les endroits les plus jolis, mais je préfère quand c'était un peu sauvage et que tu pouvais voir des bestioles, quoi, là, pas trop. Mais je sais pas si j'ai un truc à y faire ici, en plus. Bah, la dernière fois, on a parlé d'un truc à mettre sur une antenne. Non, non, mais je suis déjà allée plusieurs fois, Titro, hein. Y'a pas de soucis. C'est juste que, comme d'hab, je confonds le chemin. C'est vrai. À chaque fois que je suis là, il fait nuit. C'était pas ça? Ah bah non, je l'ai pas. Hors du module de passage en mode test. Et j'ai pas ça, on est d'accord. Je m'en rappelle plus. Elle m'a donné un objet, Marguerite, mais je ne sais plus ce que c'est. Mais t'as juste donné le plan. Ah d'accord, mince. Elle m'avait donné l'objet, moi. Ah ouais, je l'ai scanné, en fait. Et bingo. Oh, ça me donne soif hier, elle. Attendez, je bois de l'eau. Il n'a pas crafté le module. Mais je me rappelle pas, je vous ai dit que je me rappelais pas, les gars. Je l'ai dit à peu près 10 fois, hein. J'ai dit, elle m'a donné un objet, vous m'avez parlé d'un truc à mettre sur la... Sur l'antenne.
Alors j'ai pu rater un message, j'ai eu 3 raids dans l'espace de peu de temps, ou 2. Donc c'est possible, je vous avoue. C'est possible qu'on rate des messages en tant que streamer, ça peut arriver, je vous assure. Mais je vous ai dit que je savais pas. Et tu m'as parlé de 1000 trucs à crafter, Kato. En fait. C'est quoi cette émote, Ufti? Je vois pas trop d'ici. Ah, oh, c'est des petits cœurs, c'est ça? Le poulpe va se piotailler. Bon piotaillage. Et ben, je rentre à la maison. J'ai envie de trouver plus facilement le chemin. Ouais, peut-être, ouais. Ah, oh, et puis on voit mieux au moins sous l'eau. J'ai l'impression qu'il fait vraiment nuage 24. À chaque fois que je pars en expédition, il fait vraiment très très nuit. Ça, je vais prendre, c'est du lithium. J'en ai, mais c'est parti hyper vite. Ça va, je suis pas loin de toute façon de zone à lithium. Ok. Ah, j'ai pas vu le craft en tout cas. Alors que je le trouve. Il est peut-être dans les outils. Ah voilà, le grappin ça permet quand même d'aller vraiment vite. D'aller vraiment vite vers quelque chose que je ne vois pas. Pourtant, il y a des lumières de ma base, ça devrait suffire. Ok, on retourne à la caisse départ. La case, pas la caisse. Caisse départ, ça veut rien dire. Mais moi aussi, mais Féline, mais c'est peut-être aussi parce que c'est l'hiver finalement et la nuit est longue. Et nuit à 17h, 16h15. Jusqu'à 14h du matin, quoi. C'est peut-être ça, hein. Ça m'étonnerait pas. Alors, c'est pas des améliorations, c'est un déployable. Ah, il y avait le manchounet espion. Faudra que je teste ça aussi. C'est le commande du manchounet espion, trop marrant. Ça, ça peut être cool, ça. Même si je sais pas à quoi ça sert. C'est vraiment juste un délire, je pense. Attends. Non mais je vois que des choses que je connais déjà, donc ça doit pas être ça. Ça va pas être dans l'alimentation, dans... Bah non, mais dans ressources. Ah ça, peut-être module de passage en mode test. Ah mais oui! Il me faut un processeur parallèle, j'ai aucune idée de ce que c'est. Il faut que je crafte un processeur parallèle? J'ai pas l'objet. Voilà. Je veux dire inconnu. Est-ce que c'est un truc que j'ai eu justement la dernière fois? Bah j'ai ça moi. Faut que je le mette. Tu n'as jamais utilisé le manchounet espion? J'avais marre, j'avais essayé 4-5 fois. Si, si, je l'avais fait, mais je me rappelle pas l'avoir fait pour quelque chose d'utile à part regarder les manchounets. Pourquoi il sert à quoi sinon? C'est Tarpembo. Comme boîtier d'acquisition, j'utilise rien du tout. C'est pas du tout obligatoire pour stream. Bisous cocotte, bonne nuit! Pardon. C'est Tarpembo, putain. J'aime bien. Oh d'accord. Ah mais je comprends mieux. J'ai vu un endroit. Ok, je comprends mieux Gaël, merci pour l'info. J'ai vu un endroit où effectivement je pouvais pas y accéder, il y avait des diamants. Tu streams sans boîtier d'acquisition? Bah toi... Bah... Avec OBS? Un logiciel de streaming? Sur PC évidemment. Boîtier d'acquisition c'est quand on a besoin de capturer quelque chose et de le renvoyer en stream et qui n'est pas sur le PC. Et comme une console, ouais.
Ou ça peut être utile aussi, c'est un peu l'équivalent pour ma caméra. Ouais, c'est ça, voilà, carte de capture pour mon appareil photo. Mais ça, c'est quand on a un appareil photo. Les webcams, jusqu'à un certain point, font très bien le job. C'est de l'upgrade plus plus, ça. Ah, d'accord, c'est pour... Mais oui, non, mais il m'a demandé comment je streamais, pas comment je mettais une cam. Mais ouais, si c'est par rapport à la caméra, la carte d'acquisition et le gâteau, je crois. C'est ça que je mets. Oui, c'est ça. J'avais le Cam Link, mais il est tout pas ouf, donc je m'en sers pour la Switch. Mais il parlait pour stream, il parlait pas pour la cam. Donc je pense que c'était... je pense qu'il parlait du jeu quand il dit c'est beau, pas de la cam, je pense. Oui, mais je connais un petit guy. Oui, je pense qu'il parlait du jeu, hein, vraiment. Enfin, c'est bizarre de dire c'est tarpin beau en parlant de moi. Genre, je pense que c'était... je pense que c'était vraiment plus en parlant du jeu. Je pense, peut-être que j'ai mal interprété. Surtout qu'en plus, elle n'est pas de très bonne qualité, ma carte d'acquisition. Bah du coup, il me manque un élément, je pense, important, qu'il va falloir que je trouve, parce que... Je vais regarder dans mes données. Guide. Non, c'est pas guide. Recherche. Journal personnel. La femme dans l'exosquelette, est-ce qu'elle j'ai plus d'infos? Non. J'ai pas plus d'infos. Journaux et communication, est-ce que c'est ça? Ah oui, après pour le double PC, effectivement, on a besoin d'une carte d'acquisition. Mais comme je l'ai souvent dit, je considère que c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire si on s'y connaît pas hyper bien. Je pense, le double PC. Et c'est inutile pour 80% des streamers, de toute façon. Qu'est-ce que je dis? Même bien plus, 99% des streamers. Est-ce que c'est ça? Eh ben non, c'est pas ça. Un jeune Shelly serré. Ah oui, c'est ça, c'est les Shelly serrés. Personnel peut-être. Mesure unique inexpliquée, localisation de l'épave de l'Aurora, confirmation de rescapé. Ok. J'ai pas trop d'infos sur l'élément qui me manque. Mais vu que j'ai oublié ce qu'elle m'a dit. C'est un grade de streaming, je me renseigne sur les cartes d'acquisition. Mais tu veux... J'ai pas mal de consoles, dont des rétros. Ah d'accord, ok, c'est pour ça. Ah, le côté rétro, les rétros, je connais mal. Quand moi j'ai dû en faire, c'était de l'émulation. Les quelques fois où j'ai utilisé des trucs rétro. Où j'ai fait des jeux sur des consoles rétro. Parce que je sais pas à quel point ça peut être un peu galère, ne serait-ce qu'avec les vieux branchements. T'as dû oublier de le scanner chez Marguerite. Bah non, parce que j'ai le plan. En plus, je suis restée vraiment un petit moment dans le coin jusqu'à... J'ai le truc. C'est qu'il manque le processeur parallèle. Est-ce qu'il y avait un objet à trouver ou... Je pense qu'elle m'a donné l'info, en fait. Je sais pas. Oh, le Snow Fox! Punaise, je viens de m'en rappeler. Oh, le Snow Fox. Ok. Module MK2. Je l'ai fait déjà, non? Bah oui. Et ça? Ouais, sûrement. MK3, non. Alors que je pourrais, mais putain. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais déjà aller... Ah ouais, mais c'est chiant. Je vais déjà aller faire des trucs. Ah oui, il y avait ça. Ah, je peux faire le squelette de l'architecte. Ok. Excusez-moi, j'essaie de voir s'il n'y a pas un plan que je n'ai pas vu quelque part. Ah non, parce que j'avais pas les trucs. Ouais, pour streamer du rétro, c'est vrai que moi, vu que je le fais très peu, je sais pas s'il y a des boîtiers à mieux pour certaines consoles. Je sais qu'il y en a qui sont conseillés pour avoir du HD. Mais pour le rétro, t'as pas besoin. Ok, bon, bah c'est pas là.
Gestion des balises. Du coup, j'en ai une nouvelle, il me dit. J'ai celle-là. Bah sinon, je vais chercher ça, mais... Mais là, ce qui me saoule, c'est que du coup, j'ai pas l'endroit, j'ai pas l'info. Et la meuf, elle parle, là. Ouais. Est-ce qu'il faudrait que je retrouve la meuf? Mais j'ai pas de balise, là où elle est. Je l'ai fait, la MK3, c'est vrai? Ah, peut-être... je crois que j'ai fait MK1, MK2, mais MK3, je suis pas sûre, je t'avoue. Et du coup, ce serait où pour faire le module de l'aquatracteur? Ce serait là-haut. Je vais voir si je l'ai au moins. Promis, on va bouger en explo, mais là, j'avoue que je manque d'objets. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui me titille. Oh. Enfin, ça me titille, ça me fait tilter plutôt. Non, je l'ai repris, je voulais pas. Ça, c'est un peu relou, ça. Je fous là. J'en fous. Parce qu'il va falloir que je transporte stockage, fabrication, aquarium, amarrage. Ça permet d'amener votre combinaison drone partout. Trois plombs. Et ben je vais l'épingler, je vais faire ça vite fait. Désolée. Parce que je mets du temps avant de lancer l'explo, mais comme ça avec ça je pourrais mettre mon prone dedans. Dans mon ma dégène mobile et je pourrais explorer des trucs. Et ce sera bien déjà. Lingot de plastacier. C'est kit de câblage avancé, j'imagine. Pas kit de câblage classique. Pas les pas chiants. Non, c'est le chiant. Ok. Ok. Je sais plus tout à fait ce qu'il me faut, donc je vais prendre un peu au pif. Mais à un moment, je pense, je vais tomber sur les bons trucs. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, et puis ça aussi. Voilà, on va être à peu près bien. Non, pas cela, c'est des connards et ça joue pas avec eux. Et Gilo qui me raid, merci Gilo. Merci pour la soirée. Merci de m'avoir proposé tout ça. C'était c'était très sympa. Oh, il me faut de l'or, j'ai plus d'or, je crois. J'ai un or. Il m'en faut qu'un, hein. Merci beaucoup. T'as fait du Valo, du coup? Ouais, t'as fini sur Valo avec Vinou. Ça a été? Ou ça vous a saoulé? Gilo, avec qui on était en début de soirée? Pour ceux qui ont vu le début du stream. Avec qui on faisait du lockdown protocol. Grâce à qui on a pu en y jouer. Le canard cheveux. T'as vu? Alors bon, là je suis en fond vert donc on le voit pas. Mais oui, c'est un petit canard qui est collé. Mais avec le fond vert, bon bah c'est en jaune. Donc forcément... Ah, très bonne game. Vas-y, elle était en jambe, elle était en jambe. Elle s'est déjà échauffée là sur Lockdown Protocol à jouer en mode full FPS. À dézinguer tout le monde. C'est pas mal comme échauffement, je trouve. Je vais chercher quoi? Je vais chercher des coraux, des morceaux de coraux. Et oui, au début du stream, on était sur un jeu qui est une sorte de Among Us en vue FPS. Lockdown Protocol qui vient juste de sortir. Je vous conseille d'aller voir, parce qu'il y a besoin de moins de joueurs. Et ça change un petit peu. Il y a des possibilités assez cool. Merci Gilo pour l'avocado à... Merci Kato pour l'avocado à Gilo. Merci beaucoup. C'est trop mignon, merci. Vraiment, merci beaucoup. Enfin, là, ils sont encore plus visibles, mais il est avec des petits poils. Parce qu'il est tout doux. Enfin, tout doux, pas vraiment. C'était une barrette avant, mais je l'ai collé. Intéressé par des streams collabs comme Jill TV, etc. Je connais rien de ce que tu me dis. Mais moi, je stream avec beaucoup de gens. En général, bah, j'aime bien connaître les gens un petit peu avant. Et souvent, ce qui se passe, c'est que... Les uns les autres, on passe sur les streams, machin, et on finit par discuter, on finit par s'organiser une soirée, voilà. C'est comme ça que ça se fait quand je stream avec d'autres gens. Welcome aboard, Captain. Et après, quand c'est des gens qui veulent me proposer des trucs, bah ça peut...
Ça va dépendre de ce que fait la personne et de si le concept est cool, quoi. Enfin, le concept est cool. Le concept me parle, on va plus dire ça. Je vais pas commencer à faire un jugement de valeur. C'est même avec une grosse commu. Mais je... Enfin, je connais Di... Attends. Je connais Di, la streameuse, mais je pense que c'est quelqu'un d'autre dont tu parles. Voilà. Copine, allez au clear. Ouais, elle est cool. Ouais, je la regarde pas beaucoup. De toute façon, elle, quand elle... Enfin, je sais pas si elle stream toujours, mais c'est la commu du matin. Donc ça fait partie des streams que j'ai quasiment jamais vu de ma vie, en vrai. Pour des raisons assez évidentes de rythme de vie. Donc, j'ai pas trop d'idées de ce qu'elle fait comme contenu. Mais ouais, j'avoue. Je me dis, ouais, tu serais intéressé pour streamer avec Leclerc. Ouais, c'est un peu pareil. C'est pas vraiment des trucs que j'envisage, j'avoue. J'ai pas trop de raisons de les envisager. Moi j'ai mes potos dans le stream game. C'est barrette, j'avais dit brochette, c'est pareil. C'est pareil. À cette heure-là, c'est pareil en vrai. Il me manque un truc pour le lingot de plastacier. J'ai pas fait gaffe à ce que c'était. Pardon, je suis un petit peu déconcentrée. Encore merci, petit Gilo. Et oui, c'est grâce à Gilo qu'on a fait. Ah, mais c'est du lithium qu'il me faut. J'en ai un encore assez. J'en ai un. Merde. Et no! Hémoglobine à faim. À cette heure-là, ouais. Une brochette de canard! Imagine avec ta voix. J'aime beaucoup. C'est ça, le soleil et la lune, on les voit pas souvent ensemble. Ah, quand on les voit en même temps, on a un qui cache l'autre, quoi, en général. Grâce à Latal! Eh ben, merci Latal! Merci, merci. C'était une bonne idée. Et puis sur YouTube, il me semble maintenant, peut-être, ouais, peut-être. J'avoue que j'ai jamais trop suivi. En tout cas, niveau en termes plus de stream pur. Enfin, côté streaming pur, c'est vrai que je... Ça fait partie des communs que j'arrive pas souvent à voir. Pas souvent, pas souvent. En après-midi, ça va, mais vraiment tôt le matin, c'est compliqué. Enfin, sauf si, si j'arrête mon stream à 8h, comme ça m'arrive parfois. Je pourrais bien vous entendre, mais ça a pas de sens de dire ça, Saya, tu te doutes bien. C'est très mignon, hein, mais c'est... Enfin... Je vous garantis que Jill et tous les ces streamers et streameuses là, ils en ont rien à foutre de ma gueule. Vous vous rendez compte quand même? Et c'est logique. Je veux dire, c'est totalement logique. C'est pas, je dis pas ça en mode, ah, ils sont... Non, c'est totalement logique. Je vois pas pourquoi me parler de Jill. Je comprends pas trop. Et moi, ben, je ne connais pas la personne. Je n'ai pas de... Voilà, j'ai pas d'avis, j'ai pas... J'avoue que j'ai un peu... Je sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, Ah, c'est bon, je peux enfin le crafter. Punaise, la VOD va commencer depuis 28 minutes. Désolé VOD, je fais rien du tout. Deuxième glace sur commande, j'ai plus de glace. Oh, j'ai plus de glace. Alors ça par contre... Ça par contre, je vais aller en acheter demain. Mais bon, ça sert à rien les glaces aussi. C'est bien ça hein, qu'il me faut, ouais. Ça sert à rien les glaces. Non, j'ai craft un truc qui me permette de transporter mon prawn, comme ça je vais pouvoir aller un peu n'importe où avec lui. Plutôt que de me déplacer à pied avec, parce que c'est chiant. Des yaourts au froid, j'avais oublié. Non, c'est ça que je devrais faire. Je suis pas très yaourt au froid, mais au congé, mais en vrai... En vrai, c'est bien agréable. Bien agréable en été, quand même. Je sais pas si... Ah, j'avais testé une époque des yaourts genre chocolat.
ça allait pas trop ouf au congélateur. Je crois qu'elle est accessible à UpDestream. Bah elle fait ce qu'elle veut. Enfin, je sais que ça paraît pourtant logique, mais je vais pas aller voir Jill que je ne connais pas et dont j'ai jamais vu des streams en plus. Donc c'est vraiment en mode pur, voilà, pur rien à foutre de mon point de vue vu que je connais pas ses streams. Et lui dire, hé, tu peux up mon stream? C'est trop bizarre, je sais pas. Pourquoi tu me parles de Jill en particulier en plus? Je comprends vraiment pas. Non, non, c'est... Bah si, il y en a qui font ça, c'est très bizarre, hein, faut avouer. Hein. Franchement, faites jamais ça. Hein. Allez jamais voir quelqu'un que vous ne connaissez pas en lui demandant, hey, tu peux me faire ma pub? C'est terrible. C'est... Bon, déjà, moi, ça me viendrait jamais à l'esprit, mais faites jamais ça. Hein. Et surtout, ça veut complètement dire qu'en plus de vouloir juste profiter de quelqu'un, vous n'en avez rien à foutre de son contenu en particulier pour refaire ça. Donc non, ça se fait pas comme ça. Enfin, je... Ça, non, on fait pas ça, hein. Ça marche pas trop comme ça. Par contre, c'est fait. Je vais dégager ça. Je vais détacher ces deux-là et je vais les bouger parce qu'ils vont me gêner pour sortir. Et en fait, si je les mets pas dedans, même si en fait c'est fait pour, c'est parce que bah, je veux pas que mon aquatracteur il ait les 15 trucs. Alors, comment je les sépare par contre? Faut que je prenne comme ça et que je fasse ça. Ah oui, tout simplement. Oh my god, easy en fait. Et c'est ça le truc du prone. Sûrement. Sûrement. Il y a Choco du congèle. Tu rajoutes de la chantilly. Ta bonne copine et ça passe. Bah c'est qu'en fait, selon le yaourt, tu sais, l'intérieur ça peut devenir bizarre. Selon comme c'est chargé en eau ou en lait. J'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait beaucoup, enfin, faut qu'il y ait pas mal de lait côté assez onctueux pour que ça rentre bien en yaourt, en glace pardon, pour que les yaourts tiennent bien en glace. Et je crois que genre les liégeois par exemple, il y a vachement de flotte et du coup ça a plus un côté un peu, je sais pas. Il me semble que j'avais essayé que j'étais un peu déçue. Par là-dessus, oui par là-haut. Ce système était cool sur le papier, mais au final, c'est pas si dingue à l'utilisation. Ouais. Je trouve... Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, mais alors dans ce cas... Bah déjà, je trouve que pour que ce soit une bonne idée, faut quand même que t'aies pas mal d'endroits où tu peux te déplacer avec ton camion, là. Ton camtar immense. Et puis, bah la maniabilité est un peu chelou. Et c'est vrai qu'ils ont pas fait, c'est un peu dommage, mais en même temps je comprends, mais je pensais vraiment moi que ça là. Ça me permettait depuis l'intérieur de facilement modifier l'ordre et quelle extension je vais prendre pour partir. Mais en fait non, ça permet juste de le ranger. Et du coup, bah, enfin j'ai peut-être mal essayé après. Mais du coup ça fait que bah... Ça n'a pas de praticité, c'est pas... Ouais, c'est ça, comme tu dis, Kato, c'est pas ergo. C'est pas ergo, je dis ça comme ça parce que je suis quelqu'un qui a pas beaucoup le temps. Je suis quelqu'un de très occupé. Donc je dis ergo, vous avez compris, vous avez intérêt à comprendre. Ah oui, c'est ça, ça répare et recharge le truc, quoi. Oui, ça c'est bien. Mais c'est que j'aurais aimé qu'il y ait un système, mais en même temps il aurait fallu un truc balèze. Je comprends que ça aurait été assez compliqué. Quoique, en vrai, il n'y a que 4 ou 5 modules. En vrai, je sais pas. Pas un truc en long.
un truc un peu différent où du coup t'as tous tes modules dedans et tu les déplaces ou tu les... T'as un petit truc de bord qui te dit bah voilà je veux partir avec tel module que t'as déjà crafté en préalable hein. Et au moins et bah t'aurais tout rangé tout bien et tu pourrais juste grâce à ce système là aller partir directement en choisissant tout sans avoir à passer par l'extérieur comme on le fait manuellement ranger ça. Parce que là on est d'accord que s'il y a des modules que tu ne veux pas, t'es obligé de les sortir manuellement, ça change rien. Que t'es que t'es le quai, c'est ça? Je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié comment s'appelle le bâtiment où on range le C-Truck. Mais quoi qu'il arrive, si je veux pas un élément, je suis obligé de le virer manuellement, quoi. Ce qui du coup aurait été bien de virer, parce que c'est un des trucs qui rend très chiant ce côté module à bouger. 6 plans de modules, je sais pas si j'ai tout. Ok. 6. Oui, c'est peut-être plus 6, ouais. C'est peut-être moi qui les... Oui, c'est plus moi qui les ai pas tous. On va aller là-bas. Ça, c'est appelé ça gros trou. Bon, en fait, c'est une mine. Mais c'est aussi un gros trou. Et on va aller... Bah, miner, du coup. Et je vais pas dire comme Bernard, parce que j'en peux plus de sa gueule à lui. Et je pense que je vais pouvoir explorer un petit peu mieux des recoins que j'ai pas pu. Vu que j'aurai mon prône et que du coup j'aurai pas de problème d'oxygène. Enfin, tant que je l'ai quoi. Mais j'ai 2 batteries sur moi, donc c'est ok. Gros trou. T'as compris toi, tu l'as? Es-tu là toi? Et c'est subtil. C'est fini, putain c'est fini. Il me fout là-dedans, dans mon prône des gènes. Et on est y part. Oh, j'ai eu peur, je croyais que je pouvais pas passer, mais je me suis dit non mais ça a pas de sens. Parce que dans la mine, il y a des trucs qu'on ne peut miner que grâce au prône avec ce bras-là. En cherchant cette mine que je me suis paumée. Ah mince! J'avais pas mis de balise. Je comprends, j'ai failli pas en mettre. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit Kato qui me l'ait rappelé. Et du coup, j'en ai mis. Voilà. Alors, il y a aussi ça à aller chercher. Oh, j'ai soif, mais du coup, faut que je lâche ma... Le level de flemme. Faut que je lâche ma souris pour aller boire. Let's go. Ça aussi, j'en ai moins, je crois. L'or, bah oui, j'ai fait plein de kits de câblage avancé. Donc j'ai plus d'or. Allez, vas-y, je lâche pas la souris. Je peux y arriver sans lâcher la souris. Désolé la VOD, ça fait 38 minutes que j'aurais dû faire des trucs utiles. Et en fait je fais toujours pas des trucs utiles mais bon. Comme ça vous voyez un peu ce qui se passe hors des VOD. C'est vrai que je peux aller à 1100 mètres. Sinon ça va la VOD, pas trop chaud. Ah non non non, c'est pas moi qui transforme les océans. C'est l'entreprise qui était là. Et pour qui j'ai pas bossé et qui sait des choses sur ma sœur morte ou disparue. Ah voilà. Non non moi je suis une rebelle. Toujours une rebelle, ok? D'accord? Je suis pas corpo moi. Sauf dans Cyberpunk. Pardon les poissons! Je voulais être la tronche. VOD au bout de sa vie, mais non. Ça va? J'ai rien à répondre à part mais non. Parce qu'en vrai j'en sais pas grand chose. Est-ce que je peux aller là-bas? Ah je peux pas. Attends. Ah mais j'y suis allée. C'est là où il y avait un artefact. Mais oui, j'y suis déjà allée, mais oui, j'ai pas besoin d'y retourner. Oh! Laisse-moi tranquille. J'ai encore laté des poissons, je suis désolée. Velouté de Danone frise nickel. Attends, velouté. Ok d'accord, ça frise nickel. Comme la glace crémeuse, c'est cool. Ah d'accord, c'est pas le truc tout où t'es obligé de le casser avec ta cuillère pour le manger. Ah ça peut se faire ça. En vrai, je me demande un truc, mais...
je sais pas si ça se... si ça se congèlerait bien. Mais nous, on a une yaourtière. Est-ce que des yaourts faits moi-même, avec totalement les saveurs que je kiffe, ça pourrait bien se congeler? Ça, ça se teste un peu. Nous, on fait des yaourts au chocolat Milka. Quand on n'a pas la flemme d'en faire. Ça se teste? Je pense que ça se teste. Mais le verre au frigo... Bah non, non, ça risque rien, le verre au frigo. Au réfrigérateur, ça risque rien. Enfin, j'imagine. Je voudrais pas abîmer le verre des yaourts, mais c'est pas assez puissant pour que ça abîme le verre. Parce que c'est des petits... En fait, il faut savoir que les... Du coup, dans les yaourtières, on a des récipients en verre qui sont... qui résistent très bien à la chaleur. Et qui sont bah, propres à la forme de la yaourtière. Non, faut pas qu'ils soient chauds. Non, non, on les laisse sortis plusieurs heures avant de les mettre au frigo en général parce qu'ils sont très chauds quand ça se finit. Et que tu le chauffes un peu trop vite quand tu le sors. Bah ça, ça se fait assez lentement. Ouais. Ok. Non, ça peut se tester. Ah bah ça on le savait. Maintenant qu'on s'est dit ça, là, je me dis, punaise, petite glace Milka du coup, faites maison là. Ça donne un peu envie. Donc tu fais pas des écarts de température trop rapides. Parce que je sais qu'il y a un... Mais bon, c'était de la chaleur. Je sais pas pour le froid. J'avais vu un pot en... Pas un pot. Un moule pour les... En gros, les lasagnes et des trucs comme ça. Qui s'est pété dans un four. Est-ce que ça veut dire que le four, il était... Enfin, le... On appelle ça. Le moule était trop dans un endroit trop froid juste avant d'aller dans le four. Et du coup, c'est juste à cause du choc. Plus qu'à cause de la température. C'était censé être un truc fait exprès. Mais bon. Et du coup, il y a que ça ici alors. C'est pas ouf, hein. Je pensais qu'il y avait plus. Là, je veux bien farmer un peu des trucs. Ça peut... Ça va être utile, évidemment. Mais... J'espère avoir un petit passage... un petit peu dérobé. Quelque part. Qui me soit utile, mais j'ai pas l'impression. Si je... Je vais faire le tour. Ça c'est quoi déjà? C'est du titane. Ouais non mais le titane, je vais peut-être pas commencer à le forer. J'en aurais sûrement en surface, enfin beaucoup plus haut des trucs de titane. Le cuivre c'est pratique mais j'en ai pas mal maintenant. C'était un truc normalement pour faire cuire, ouais. Enfin qui était censé... Enfin, je parle très mal. Désolée, je sens que je suis un peu fatiguée. C'était un... Un moule fait exprès pour aller dans le four, en effet. J'ai pété un joli bol comme ça, en passant direct. Ah, de la soupe à l'évier froid. Ah, mais je fais un peu ça, moi, parfois. Faut que je fasse gaffe, alors. Mais pas avec du verre, c'est rare. Mais j'avais jamais trop pensé que ça pouvait être simplement la rapidité. Je pensais que c'était plus des températures extrêmes qui faisaient ça. Je pensais pas que c'était le fait de passer de l'un à l'autre de trop rapidement. Enfin, je me suis jamais beaucoup posé la question aussi. Peut-être ça. Peut-être pour ça, oui. Peut-être tout simplement. Et ben en fait, j'ai tout exploré ici. Mince, je pensais qu'il y aurait un petit passage en plus que j'avais pas vu. Mais bah, ça m'a donné des compos, c'est cool, mais voilà. Je vais boire ça. C'est ma tenue qui me fait de la flotte en permanence avec mon pipi. Alors c'est bien, mais c'est bien beau, mais du coup j'accumule masse flotte sur moi. Alors que m'en fous. Et ici j'y suis allée aussi. Ah, je pensais qu'il y avait un autre passage. Eh ben non. Bah on se tire et va falloir que j'explore de toute façon d'autres endroits avec lui. Je le vois plus. J'arrive pas à m'accrocher où je veux m'accrocher.
mais c'est vrai que j'ai amélioré mon propulseur. Donc en fait, ça va, je suis tranquille. Ah non, j'ai oublié d'atterrir. Ça aurait été une bonne idée. J'aime cette application Twitch Android. Pourquoi t'as fait quoi? C'est le chat, tu la mets où tu voulais pas? Je trouve qu'ils l'ont un peu amélioré. Mais ouais, je crise aussi dessus les quelques fois où je l'utilise. Donc c'est que c'est pas tant amélioré que ça. C'est dommage, petite Féline, pardon, j'ai pas trop réagi à votre conversation. Mais je lisais un petit peu quand même. C'est un peu dommage. Améliorer ? J'avais l'impression, parce que j'utilise très peu aussi. Quasi jamais en fait. Maintenant, j'utilise un tout petit peu plus parce que je me fous Twitch sur mon téléphone quand je fais la vaisselle. Ou autre chose, mais c'est pas rare que ce soit Twitch parce que ça m'emmerde la vaisselle. Mais même dans mon lit et tout ça, je mate assez rarement Twitch, sauf si j'étais sur un stream et que je vais me coucher et je veux continuer le stream dans le pieu. Ce qui arrive pas si souvent. Parce qu'en général, bah, je vais me coucher après que les streams qui m'intéressent se soient terminés. En général. Bah ça on l'avait exploré aussi. Punaise, bah je suis un petit peu... Je sais pas trop où je vais devoir aller en fait. Là-bas c'est ma base. L'artefact. Où j'ai l'artefact. Limite ça va me permettre peut-être de trouver d'autres épaves et du coup d'autres compos. Mais j'ai l'impression d'avoir loupé un truc. Et pourtant quand j'ai relu ce qu'elle avait dit la meuf, j'ai revu spécial. Faut que je crafte quelque chose. Ah si, il va falloir peut-être que je me... Maintenant que j'ai le prône, je vais peut-être pouvoir un petit peu explorer une autre zone terrestre que celle où je suis allée tout à l'heure qui... C'est les baleines là? Ouais. Une autre zone terrestre où j'ai trop froid pour explorer, là je pourrais. Et où il y a le pont. Oh, il y a un Léviathan. Ah ouais, il y a le Chibrosaur. C'est vrai. J'espère qu'il m'emmène pas à un endroit où j'ai déjà trouvé un artefact. Parce qu'il l'a un peu fait une fois. Une fois. Au tout début, il m'a indiqué un endroit où j'étais déjà allée. Ou alors c'est moi qui... Je sais pas. Ah, je sais plus. J'étais chez Marguerite pour le module. Bah ouais, mais j'ai l'impression d'avoir tout bien fouillé. Mais j'ai le plan, en fait. C'est ça, les amis. Enfin, j'ai le plan du module de test. Ce que j'ai pas, c'est un objet en particulier. Et c'est ça que j'ai oublié de crafter. Il y avait deux objets à crafter chez elle, c'est ça? Parce que le plan du module, je l'ai. Il me manque un objet pour faire ce module. Et ça ne m'étonnera pas que ce soit un objet à trouver. Qu'est-ce que c'est ça? Plus qu'à crafter. Mais je vais pouvoir passer. Il est où l'artefact? Peut-être pas dans le bon coin, on va voir. Oh, juste à l'enfant du monde. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une plante. Ah mais ça j'ai déjà fait. Par contre ça j'ai pas trouvé je crois. Qu'est-ce que c'est ça? Hé!
mais j'ai pas trouvé ça. C'est cool. Ça me fait venir ici. Je, ça va peut-être me faire avancer un peu. Marguerite, dis-moi des trucs. 500 mètres below sea level. Me voilà entouré de fragments de la base sous-marine à 500 mètres sous le niveau de la mer, une main s'agrippant aux écailles du monstre, l'autre tenant fermement l'éclat de métal que je lui avais logé dans l'orbite. Mais elle en avait déjà parlé de ça? Ah non. D'accord, c'est quand elle a tué un Léviathan et après c'est quand elle a dérivé avec le cadavre du Léviathan. J'ai crevé l'œil et j'ai failli lui tailler le second. La créature nous entraînait vers le bord du cratère aveuglé, elle tournoyait. Dans les profondeurs, j'avais le choix entre m'agripper ou lâcher prise. Je me suis accrochée à la vie. Il m'a resté quelques minutes d'oxygène dans le réservoir. Je suis cette magnifique et terrifiante créature. Je suis remontée à la surface en reprenant mon souffle. J'ai remarqué que nous avions dérivé. Plus que prévu, je me suis retrouvée dans un paysage vide. Rien que moi et l'océan. Okay. C'est pas ça qui va me donner l'info que je cherche en particulier. Et ça, c'est un plan que j'ai déjà. D'accord. Bon, ça me fait pas tant avancer. Ça, je peux... Mais je l'ai déjà, la centrale thermique. Elle est à la maison, même. J'ai la même à la maison. Ah, c'était pas chez Marguerite, ok. D'accord. Bon, bah, je vais voir un petit peu si le jeu me mène à l'endroit que je dois trouver de manière logique. Peut-être si, si je vais explorer un peu la surface avec mon prow, ça m'aidera peut-être. Là, j'ai fait un tour, hein, évidemment. Mais je vais aller là. Je vais devoir remonter, moi, comme je suis là. C'est quoi? C'est du lithium. Non, mais c'est chiant de sortir juste pour du lithium. Vas-y, vas-y, j'en ai à côté de chez moi, c'est bon. C'est ça saoule, là. Ah là là, faut que je fasse gaffe comment je remonte. Du coup, je suis pas dans la bonne partie de la map. Ou alors, j'ai pas trouvé le tunnel qui me mène à... Oh, le Léviathan, regardez ça. J'aime trop. Ils sont pas si impressionnants, ceux-là, mais ils sont quand même cool. Puis, ils nous éclatent bien la gueule aussi. Ça les rend encore plus cool. Ah! J'aime trop ce coin avec les méduses. Les méduses, c'est trop cool, de toute façon. Là, je vais pas un peu hors map. Est-ce que explorer par là, c'est malin? J'ai un peu peur. Je veux pas me faire sauter dessus par des Léviathans. Il y a encore des ça, donc ça a l'air de... Ah, mais je suis encore... Ok, je suis ici, mais ça va. Ok, ça va. Encore. Je voudrais voir tant que je peux descendre pour atteindre cette zone, mais ouais, mais... que jamais je trouverais comme ça. Depuis l'extérieur, j'ai l'impression que je trouverais pas. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que je continue à chercher dans le côté un peu labyrinthique des grottes pour essayer de trouver le bon passage. Parce que ça fait fin de map, ça. Ça fait peur. Et fin de map, ça veut dire fou le Léviathan qui te tue. C'est dommage, j'ai plein de trucs qui gênent. Attendez, je vais virer tout ce qui gêne, ça me saoule. Module, j'ai pas besoin. Ça, j'ai plus besoin. Station Delta, je m'en fous. Et même mon appart. Cabine, mais je m'en fous aussi. Non, non, cabine, non, je garde, c'est mon accotracteur. Ah, mais attends, mais il y a ça aussi. Mais je les ai déjà fait. Ah, j'ai dû les faire. Base et station Delta. Mais je les ai enlevés? Non. Delta. Base. Voilà. Là, on peut un peu regarder et profiter de la vue. Quand tu t'arrêtes qu'il y en a trop des méduses. Mais de toute façon, les gens râlent dès qu'il y a trop... Dès qu'il y a une bestiole qu'ils aiment pas. Pas impressionnant de ouf, sauf quand ils t'attaquent. Ouais, c'est moi, c'est moi. Et c'est ce que je dis, c'est ce qui les rend classe aussi. Évidemment que les Léviathans, c'est pas des chatons. On n'en voudrait pas comme ça, enfin. Ah, mais je suis pas loin, là. Mais je peux pas passer. Je pense pas que je vais y aller en prone, je vais jamais réussir à remonter. Je vais aller à Yep. Cucu, toi.
Ça sent l'artefact déjà scanné. Je suis assez d'accord. Maintenant que je suis là, autant aller voir, mais je suis assez d'accord. Non, il y a des cubes. Je les ai pas scannés. Je suis pas là pour rien. Une importance. Une certaine importance. Ils vont nous aider dans notre quête. Bah oui, je suis moins bien. Ça me plairait beaucoup que les données mettent dans ma quête. J'adore qu'on mette dans ma quête. Du diamant, vas-y, c'est bon, on est plein de diamants. Ça va quoi. Le diamant, c'est mon chat un peu. Pour ça. Ok. Du coup, bah voilà. Rien d'autre à scanner. Vous avez... Ah merci. Ça, on le savait, hein. Merci Brimbois. Je me suis dit vous avez même pas réagi à ma phrase de loveuse. J'étais un peu vexée. Je me donne à fond quand même. Professionnel. Eh hey, y a du lithium. Eh hey, j'ai raté. Bon, ça me fera toujours un petit aller-retour sympa. Bah déjà, voilà, là j'ai fait un truc utile. Et en plus, j'aurai eu quelques compos. Donc c'est bien. Et j'espérais... Non, ça a pas l'air d'avoir donné grand-chose, je suis d'accord. J'espérais que ça me donnerait plus niveau plan, quoi. Ça va nous être utile pour notre quête. Oui, je sais. Pour ta quête à toi, mec, en fait. Hein. C'est pas notre quête. Hein. Et moi, ma quête, c'est en rapport avec Marguerite, tout ça. Il va falloir que je retourne la voir. Bah non, 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 pas besoin. Ça faisait longtemps. Aimez-moi. Petit screamer de 2h du matin. Je passe par là juste histoire de me prendre un petit coup. Non mais comme ça au moins je risque moins avec l'autre là. Qui je sais pas où. Il y a une meilleure distance d'affichage dans ce Subnautica. Ça change beaucoup la donne. Beaucoup plus immersif. Ok. Alors c'est cool, j'ai tout désactivé du coup. Mon perso a faim, mais l'avantage c'est que je peux manger assez facilement. Jus le bro, jus. Effectivement, vous avez reconnu, c'est jus. Arrête de piaffer, tu n'es pas obligé de piaffer, comment tu fais pour piaffer dans l'eau? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça, j'ai scanné. Oui. C'est pas possible. New creature discovered. Ah c'est cool mais attends. Ah. Ok c'est bon, ça passe. Il est où mon véhicule? Voilà. Imagine, tu t'appelles Jus. C'est pas ouf. Vraiment, juste, c'est pas un diminutif, c'est un prénom. Ah, c'est qu'on est. Ouais, c'est. Après, en vrai, il y a des gens qui s'appellent Li, par exemple. Finalement. Bon. Après, Jus, ça peut être très très drôle. Je veux bien mort, mais vivant, tu dégages. Bah, ouais. Je l'ai relâché, je l'ai pas retué derrière. Donc ça va quand même. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu moins bien s'en sortir. C'est là qu'il faut que j'aille, moi. Bon, je vais y aller de toute façon, là où j'en suis. Oh là là, mais je chope tellement de flotte avec ça. Je vais l'enlever, ce truc, hein. J'ai trop d'eau.
Julie. Oui, mais en deux. Ça, par contre, j'aime bien ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, Slime ? Avec Twitch app. C'est quoi le souci là tout de suite ? C'est la connexion ? Après, en ce moment, il y a des bugs Twitch aussi en plus. Que certains ont et pas d'autres. Genre des décos de Twitch, par exemple. Ça m'est arrivé récemment sur deux streams différents. Que des gens se plaignent d'avoir des décos et pas moi. Et d'avoir eu l'impression d'avoir une déco que d'autres n'ont pas eu sur d'autres streams aussi. Donc. Aujourd'hui, ouais, j'ai pas eu de bug, je crois. L'état civil français refuserait que vous appeliez votre enfant sextoy glacé, mais... Enregistre Godefroy. T'es un gamin, Connoqueur. T'es un gamin. Comme Clitorine, hein, c'est une légende urbaine. Hein. Fiona. Putain, mais maintenant, j'ai jamais entendu comme ça, comme tu viens de le dire, là. On pouvait aller en arrière sans déco. Ouais, c'est vrai, même souvent ça m'arrive alors que je veux pas, genre je veux vraiment quitter, et ça me fait revenir en arrière, mais ça met l'écran en petit, là. Peut-être qu'il y a une option qui a été désactivée. Genre l'option, comment ils appellent ça quand ça te miniaturise le stream ou la vidéo, sans te la couper quand tu changes de fenêtre. Mais Fiona, moi, je trouve ça joli. Maintenant, je trouve ça vachement moins joli, du coup. Punaise, tu viens de niquer un prénom que j'aimais bien. Oh, c'est rigolo, eux. Est-ce que c'est ici que je dois aller? Ah, peut-être, regardez, ça monte un peu. Ah, mais je vais y aller, je pense. Ouais, mais avec le prône, je vais galérer parce que je vais chuter. Et je vais mettre 15 jours à remonter. Bon, je vais voir. Je vais déjà y aller à Yep. Féminin quoi, mais je l'ai jamais vu comme ça moi. Fiona, je l'ai entendu trop tôt dans ma vie pour voilà, je sais pas. Je galère vraiment. Pourquoi pas trou de bala, mais la ferme. Arrête. Trou de bala. Picture in picture ou multitasking. Picture in picture. Ouais, le picture in picture. Bah ça, peut-être qu'il y a une option qui te l'a désactivé. Trop de balade, trop de bali. Toujours plus. Mais oui, Fiona, moi je trouve... Alors je persiste à dire que c'est joli, même si maintenant j'avoue que j'arrive plus à le voir autrement, c'est relou. Je m'appelle Kula. Merde, c'est foutu, ça a niqué un prénom que j'aimais bien. Ah, il est là. Non ? Il est où ? Je l'ai perdu ? Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais what ? Mais pourquoi je l'ai perdu ? Il s'est détaché tout seul ? Bah oui, je l'ai pas détaché moi, mais pourquoi ? Dracula. Oui, après Dracula, finalement, c'est pire. Hein. C'est moi qui l'ai largué. Mais comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Il y a un tout? Mais si c'est moi à peine. Comment? J'ai pas fait exprès. Suna, c'est vraiment un prénom, ça? Enfin, je veux dire, c'est connu. Effectivement, faut pas le dire en verlan, mais par contre, en vrai, juste la sonorité Suna. Je sais pas, ça va. Suna même, peut-être. Ouais, ça fait Suna après. Ça fait endroit où tu sues. Ouais, je sais pas. La sonorité même, juste la sonorité, ça va, mais en fait, il y a trop de trucs qui vont pas. Non, ça va pas. De se dire Suna. Suna.
Asuna, j'aime bien. Ça passe. Ouais. Actionner la manette de ton tracteur. Bah, j'ai pas fait volontairement en tout cas. Mais j'ai dû essayer de rentrer dedans et ça a actionné la manette qui était vraiment collée. Parce que regardez, elle est très collée à la porte. Welcome aboard, Captain. All systems online. Ok, je peux explorer ici. Je vous promets, la VOD, il va se passer des trucs. On est à combien? Super, une heure. Oh, c'est peut-être là qu'il faut que j'aille. C'est peut-être bien ça. Y'a quoi ici? Y'a quoi? Je suis déjà venu. Je suis déjà venu. Quand même, regardez. Ah, mais mince, je meurs quand je tombe. Mais c'est con! Et j'ai un poisson dans mon inventaire. Je meurs quand je saute de mon prône, mais je veux pas sauter du. Mais c'est idiot. N'importe quoi. Bah ça doit dépendre, petite n'est plus plus. Petite féline progine n'est plus plus. Je pensais, ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi. La prononciation doit dépendre d'où vient le nom. Ou de... bah, des parents. Ah, je pensais trop réussir à troller le jeu. J'ai tout foiré. Oh. J'y ai cru. Ça te le fait tout le temps aussi. Ok. Ça prouve que le système il n'est pas dingus. Ah non 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 non. Waouh. Là-bas j'y suis pas allé, donc j'y vais. Valide installation de la Terre détectée à proximité identifiant unique centre de robotique phi. Voilà, on parlait du jus. Et bah phi. Attendez, je vais bouffer des fruits. Putain! Bon, ça me fait rien. Dégueu. C'est dégueu. Accès à des améliorations, non, je m'en fiche. Stockage. Attends, c'était où le stockage? T'es là. Hop. Ça, parce que je pourrais les jeter. Dans la grotte d'abord. Qu'est-ce que c'est? On est par là. Ok, j'y vais. Outil de repérage. C'est cool, merci pour le repérage. Ah là-bas. J'ai de voir par où je vais aller en premier. Mon chounet espion. Ah mais oui, c'est pour me dire qu'il faudrait que je fasse passer ici. Ah. Ça c'est des trucs que j'ai peut-être bien loupé la première fois que j'ai joué au jeu. Ça c'est bleu cipo, je sais plus en fait. J'avoue. Dangerous weather approaching.
Seek shelter. Mais je vais rester dedans alors. Non. Non. Non, je veux rentrer. Il y en a deux, trois. Ouais, mais je pense que j'ai... Faudrait que je vois une fois que j'aurai le machin dans les mains. Et que j'aurai foutu, bah là, dans ce passage, si ça me rappelle quelque chose. Parce que je sais pas si je l'avais fait. Ah ! Je droppe. Je peux pas passer. Vas-y, passe pas. Moi, j'ai pas froid ici. Ah oui, je me rappelle de cet endroit. Espèce de recherche du Snow Fox. Alors, je l'ai pas encore, le Snow Fox. Ce qui va me permettre de me déplacer en surface. L'espace de recharge. Je me disais pas qu'il y avait un autre engin pour la surface, mais je me rappelais plus. Oh, le portail, pitting! Ah ouais, c'est une bonne découverte ici. Moi aussi, Gail. Moi aussi, je me rappelle plus qu'il y avait des champs qui m'a... des trucs... Je me rappelle le plus de trucs qui m'avaient saoulé dans le 2 que dans le 1 à faire ou à visiter. Mais parce que dans le 2, il y a vachement de surface. Et c'est pas du tout ce que je préfère. Et bah dans le 2, je trouve que le Citroën est un peu chiant, quoi. Enfin, dans le 2. Subnautica 2, Subnautica 1, on se comprend, on se sait. Donc c'est vrai que même si je pense que il est peut-être un peu plus accessible le deuxième. Putain, mon sacré fait le cochon. Oh, you brought a friend. Je pense que le premier reste mieux. Un manche ou une espion en formation, nous captons des signaux sonores, ça ne te dérange pas. Pas le moins du monde. Des pustules de Kara sur le Léviathan gelé. On sort pustules. Après les analyses, des échantillons étaient gelés au moment de l'éruption de l'épidémie. Ouais, d'accord. Bonsoir, pustule. Tout à fait. Cadre photo. Je suis là pour des trucs vraiment prioritaires, en tout cas. Entre le poster et le cadre photo et le thermos. Ce que j'aime bien, c'est quand ma visite est utile. Dans ce café, c'est très utile pour quoi faire? Dis-moi. Oh, il est un peu sympa celui-là. Non, je l'ai pas déjà. Si! Mais sauf que si! Mais j'en ai pas besoin parce que je recharge. Les trucs qui nécessitent des batteries, je les recharge directement sur les véhicules même. On boit du café qui te réchauffe. Ah, ça te réchauffe. Ok. Bah, j'avoue que moi, je prends beaucoup les piments et les trucs comme ça. Mais j'ai pas... J'utilisais assez peu... J'utilisais beaucoup le prône pour la surface, j'avoue. Même si c'est un peu chiant. Ça m'évitait de galérer avec ça. Et du coup, je m'étais pas fait de café dans le jeu. C'est bon à savoir. Mais normalement, j'ai déjà un... Oh, c'est quoi ça? Découpeur laser. Poster. The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was. Il y a une pile ionique, lui? Non. Bon, je vais la virer, cette pile-là. Pas mal de trucs inutiles. Hein. Qu'est-ce que c'est?
tablette de purification d'eau. Je peux rendre l'eau potable lors d'exploration de zones enneigées. Je peux prendre l'eau potable. L'eau de la neige ? Qui est mignon ça ? Ça je veux ça, pourquoi je veux l'avoir ? Ça c'est bien plus beau que plein d'autres trucs que j'ai eu. Hein. PDA. Un radar encadré. Ouais. Oh, la carte du bassin, je peux la voir. Ah, c'est cool ça, j'avais oublié ça. Intéressant. Les piments prennent deux places, oui c'est vrai. Et puis ils se périment très vite. Voilà les bébous poissons. C'est vrai que j'ai un aquarium chez moi, j'ai pas d'aquarium chez moi. Qu'est-ce que c'est ? Combinaison polaire. Ah, mais y'a ça ? J'avais oublié aussi. Faudrait que je me fasse le jukebox. C'est le genre de truc que j'aime bien. Bien utile. Ah, les morceaux de titane. Ils font la moitié, ils font la hauteur de mes genoux en fait. J'ai pas froid ici, non, c'est bon. Que je la voyais respirer du froid. Enfin, expirer du froid. Bon bah j'espère n'avoir rien oublié, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses primordiales ici. S'il y en a une, j'espère ne pas l'avoir oubliée. C'est... Ouais, c'est... j'ai eu des trucs utiles, mais... C'est pas qu'il fait tant avancer, attendez, je suis pas allée par là, je crois, par contre. Ouais, j'aurais plus de problème de froid, mais je pense qu'avec cette combinaison-là... Ah oui, non, bah non, j'avoue que j'ai une combinaison assez inutile, donc j'allais dire, je pense qu'avec celle-là, je pourrais pas aller en profondeur, machin, j'avais un debuff par rapport à ça, mais en fait, ma combinaison actuelle ne sert qu'à me donner de la flotte, et j'en ai pas mal. Donc remplacer ça, ce sera pas un souci. Je suis montée, je suis allée là, je viens de là-bas, j'étais en dessous. Je revérifie, mais je pense que c'est bon. Et à gauche, j'ai bien scanné ça. D'accord. Ça semble bien. Je m'en vais. Et du coup, j'ai la map. Ce serait Altera ? Oh, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Carte. Bah non, voilà. Tout simplement. My shooting. La grandir. Oh, je peux même pas la mettre en courant, mais c'est relou. Ou je m'en vais. Est-ce que c'est trop relou? Welcome aboard, Captain. All systems online. Je viens du bien ou je viens du haut? Je viens du bas. Je viens où? Ah, je sais pas en fait. Ah, je sais pas, il veut au pif. Le jeu il veut pas du tout. Pourquoi? Si je peux aller à pied, je peux aller en ça, hein. Ah! Arrête! Oh là là, le petit robot qui. Il y a un mur invisible, je crois. Tu vas me faire pousser? J'ai réussi! Wow! En fait, il y avait juste un vieux rebord qui empêchait mon peloton de passer, sans aucune raison logique que la physique du jeu vidéo.
M'en fous, c'est du titane, m'en fous, j'ai plus de place, m'en fous. Qu'est-ce que c'est ça? GG. Ah, Snowfox, j'en ai... J'ai pas tout. Après, en vrai, en prône, je me sens bien. Hein. Le Snowfox est ici, une sœur. Ah, mais attends, je peux descendre. Si je descends en prône, je sens que je vais tellement le regretter. Je suis un peu une aventurière du gaming, moi. Ah, là! Merde. Je suis vraiment sortie de très haut. Salut, Garfile! Mais je vais le dire à la française, je préfère Garfile. Salut! Bonsoir! Des petits à-coups? Tu veux que je donne des petits à-coups? Félix? Attends, attends, attends! Là, je glisse dans n'importe quel sens. Bon, je vais aller comme ça. Parce que je sens les regrets sinon. M'en fous, hein? Quoique. Dégage, 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 dégage. Je l'ai eu, même bloc. Oh non, ça je m'en fous. Quoique si, je la fais tout de suite. Attends, j'ai un poisson à relâcher aussi. Attends, je vais t'éclairer. Fais ta vie. Du coup, qu'est-ce que je faisais moi? Cette mise à jour de merde. Ah bah hein? De Twitch. Mais je j'ai rien moi. Hein. Je suis pas le SAV de Twitch, je suis désolée hein. J'ai pas vu de diff moi, donc je sais pas ce que vous avez eu, mais sachez que souvent on est moins au courant que vous. Pauvre poisson. Ah, je vais chercher. Coucou c'est qui? C'est utilisateur anonyme, salut utilisateur anonyme, ça va utilisateur anonyme. J'ai dit beaucoup de fois ton pseudo. Comme ça, t'es pas tout à fait anonyme finalement. Plante ta vase givrée, ça sert à quelque chose ou pas hein? Oh, mais il est en vie hein. Ouais, t'as, je reprends, je vais relâcher. Match de l'appli mobile? Ah, ok. Ah, comme je dis, j'utilise assez peu l'appli mobile, alors je peux pas trop vous en parler. Ah, je peux pas vous aider. Et du coup, bah, je l'ai pas constaté. Une jolie plante. Ouais, c'est ça, c'est juste une jolie plante. Ça prend beaucoup de place. Bon, un emplacement, au pire, je le jette si j'en ai pas besoin. Enfin, j'en aurais pas besoin, mais c'est une jolie plante. Et j'arrive par ici, ouais, mais finalement, si j'avais pris mon crown, bah, j'aurais pu retourner là d'où je viens. Oh, qu'est-ce que c'est? On peut pas escaler. Ah oui, il y avait des bestioles qui étaient un peu méchantes, un peu vénères. Ah, je me rappelle d'eux. Et bon, ils sont comme des placards aussi. C'est une terpegun celui-là, putain. Ah bah. Hey, je vais dans le trou. Attends, y'a quoi là? Dégage la flotte. Je pensais que j'avais la distance. Il va me tuer? De l'eau.
Oh, c'est sympa comme on arrive là. Vas-y, vole. Ouais, ça me vole. Vous avez vu, j'ai relâché, c'est bon. Il approche pas si t'as une fusée éclairante en main. Ah, c'est pour ça qu'on t'en donne une à l'entrée de la grotte, j'ai jamais testé ça. Plein de trucs que j'ai pas fait, moi. Petite source chaude. En fait, c'est un peu le coin où tu peux faire un campement ici. T'as des compos. C'est de l'argent. T'as une source chaude, même si je sais pas si ça fonctionne. T'as des trucs pour faire des piles et tout. C'est pas mal. Alors que je le récupère lui. Bah je visite plein de trucs, mais je découvre rien de hyper utile. Stalagmite de glace. C'est que maintenant que je peux en faire. Ah oui, c'était stalactite que j'ai pu faire. Ah, mais moi, on est mort. Oui. C'est très joli encore. C'est très simple. Ouais, c'est ça aussi qui est chiant dans toute cette phase à la surface. C'est que tu vas être essentiellement à pied. Parce que même si j'avais le Snow Fox, je sais pas si j'utiliserais dans une grotte, je sais pas si, si j'ai vraiment la possibilité. Et donc, bah, c'est un peu long, quoi. T'es obligé de me désabonner, car ça craint. Te désabonner ? Mais tu n'es pas abonné. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ça fait dit. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, c'est pour me dire qu'il y a de quoi passer avec le petit machin. Ok. Une bestiole qui est sur ma tête. Une coccinelle! Coccinelle. Où es-tu? Tutu. Elle est là. Vous voyez. Un petit peu. Oh, mais ça c'est joli ça, champignon lumineux. Chute de la coccinelle. Bah le prône de toute façon, il est indiqué sur la map, donc... Si j'ai pu y aller une fois, je pourrais retourner une deuxième fois. Au pire, on repasse par la flotte. Ah, ça, j'ai vu sur la map, ce coin-là. Même j'aurais bien aimé venir en prône, effectivement, là. Je vais voir. Comparer les points sur son dos, c'est vrai. En plus, ça, c'était une coccinelle noire. J'en vois pas souvent. Avec des points rouges, ouais, ça avait l'air d'être rouge les points. D'habitude c'est l'inverse. J'avais un shiny en coccinelle et elle s'est suicidée, les gars. Une émo. Parce qu'elle est trop dark. C'est pour ça qu'elle s'est suicidée, elle est trop dark. Bon bah je rebrousse le chemin. Mais bon, j'espère que... Ah, je suis pas sûre en fait. La zone avec les arbres, est-ce que je pourrais y accéder autrement? Comment ça me demander? On a combien de VOD? 1h30. Ça va encore, mais bon. J'aimerais bien faire pas trop plus. Et je sens que si je coupe la VOD là maintenant, je trouve un truc de ouf. Les 14 personnes qui regardent ma VOD, ils vont être dégoûtés. Non. Je
peux aller ce soir. Comment ça, il me pleut-tu? Ah, mais c'est pas une grotte, vraiment. Enfin, un peu, mais... Ça fait un peu plus falaise, finalement. Promis, je serai pas dégoûtée. T'es mignonne. Promis, ça va aller. J'ai scanné ça? Eh, c'était pas, hein. Okay. La coccinelle noire est invasive. Elle bouffe les œufs d'autres bestioles. Utile dans les jardins. Ah ouais? C'est chiant, j'arrive à rien atteindre. On n'a pas un perso qui est vraiment fait pour la surface. On a une... Il se coince facilement. Il rebondit sur les textures très facilement aussi. Le jeu est quand même plus prévu pour quoi sous la flotte. Ça se voit. Et vu que bah, je vois rien, je sais pas où je suis. Mais bon, j'explore, c'est sympa. Ça sert à rien, mais c'est sympa. Je préfère explorer sous l'eau quand même. Oh, classe. Entre la nuit et le brouillard, j'ai beaucoup de mal à me repérer là. Ah, je fais n'importe quoi. Ah, mon machin, il se met à trembler tout seul et à s'envoler alors que j'appuie sur rien. Ah mince. Coucou. Je suis trompé, ça. Oh là là! Ah mais j'atterris! Je pensais que j'atterrissais pas très très loin de là où je venais de là où j'étais à la base. En fait, si, complètement. Oh non, mais je veux pas vous marcher dessus! Ils sont si faibles! Non mais chers, ils m'engueulent pas, je sais pas où je suis, d'accord? Il fait jour du matin. Mais tu veux bien t'envoler? Après c'est fait plus pour la flotte, je peux comprendre qu'il est pas une... Pardon? Par des pingouins. Oh, je suis tellement désolée. Salut, oiseau. Ça va? Bonne nuit, brin bois. Je vais rentrer à la maison, je crois. Je suis pas prête pour cette étape-là de mon voyage. Je vais rentrer. Plus le bruit me saoule. The Penguin Killer. Mais non, mais je vais marcher dessus. Je pensais pas qu'on pouvait. Je sais pas pourquoi je l'ai pensé invincible.
Alors que je les ai vus se faire bouffer par des monstres. Enfin, par des aliens. J'ai vraiment pas fait exprès. Ok, on rentre. Alors, encore une fois, c'était sympa. Bon, pas des décors non plus très diversifiés. Mais j'ai pas l'impression que ça me fût utile. J'ai pas trop l'impression. La plateforme, faut que j'y fasse un truc? Faut que je scanne ou pas? Et ben, je rentre à la maison. J'arrive à peine à faire un saut, faut que j'arrête d'essayer. Il est où mon engin? T'es pas là? Non, j'ai pas l'impression. Il est où? Ah oui, le plan de la combi polaire, effectivement. Ça, je vais me faire ça, oui, c'est vrai. C'est l'un des trucs très utiles que j'ai eu, ouais. Chut! Ça va. On se casse! Mais j'ai vu trop de surface là. On se casse mais en passant par très très bas dans la flotte. C'est où la maison? C'est là-bas. Oh, elles font du bruit. Elles sont trop belles! Ouais, ouais, c'est bon, j'ai récupéré le module. J'ai compris que là, je l'avais fait. Mais c'est très facile de le faire sans faire exprès. Quand même. Frigo qui est bien pratique. Bah, le frigo, c'est pratique si tu te fais ta bouffe à l'avance, quoi. Moi, je le fais pas. Vu que j'ai mes fruits à la maison. Je mange mes fruits, moi. Je suis comme ça. Très fructose, au moins. Il fallait faire tomber ma gourde, mais je veux pas lâcher le jeu. Genre, je vois pas assez. Là. Ah oui, peut-être depuis l'intérieur sur le tableau de bord, t'as peut-être un truc, ouais. Quand tu quittes comme ça. Ouais. Tout à fait. Bien vu. Et ben du coup, je vais dire bisous à la VOD déjà. Et puis bah je... Il va me falloir que je cherche... Merci. Il va falloir que je parte à la recherche du... De l'élément qui me manque pour le module, enfin pour le module, pour le truc que je dois faire pour Marguerite là. Enfin le truc, le plan que Marguerite m'a donné, il me manque un élément pour fabriquer ce truc là. Alors que je trouve. Je vais relire un peu les trucs, je vais voir. En tout cas des bisous VOD, hein, voilà. Donc je me fais attaquer. Bisous.